Good morning, allez, Yiden, je suis aujourd'hui le Mishmat Esther, Bat Miram, c'est que dire fois. Olivier Israël Shimon Ben Esther, Hamshad Miram, Bat Rosalena, et bien, Ben Chavira, Vetor, Shachol Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet de Ruin, Peg Dalet, Mishnah Chet. Im Eno Makir, O Sheino Baki Bahalacha. Vamar Shvitati Bimkomi. Zacha Lo Mekomo, Alpaim Amal, Ekol Ruach. Agulot, Divra Vichanina Ben Antignos. אחרים אומרים מרובעות, כתבלה מרובעת, כדי שיהיה נזכר לזוויות. On a une Mishnah qui continue l'histoire de la Mishnah précédente. Soit, on parlait d'une personne qui était en train de marcher pendant le vendredi pour pouvoir atteindre sa maison, il revenait de loin, et puis il n'a pas eu le temps d'arriver assez tôt chez lui à Shabbat, la nuit commençait à tomber. Et on avait appris la solution maintenant, que s'il voulait, il pouvait désigner un arbre qui était dans son... jusqu'à 2000 amas de lui, et désigner de loin qu'il prend, que sa Shvita, son lieu de Shabbat, de résidence de Shabbat, c'est sous l'arbre de là-bas, et comme ça il gagne qu'il a le droit de rejoindre l'arbre, et puis même après d'enchaîner 2000 amas supplémentaires, puisque c'est son lieu de résidence, il a 2000 amas tout autour, d'accord? Ça c'était le cas évoqué, on avait même aussi appris un cas de celui qui pensait prendre résidence sous l'arbre, mais sans définir le lieu de l'arbre, il se retrouvait le pauvre, on va rester planté dans ces quatre amotes là où il est sans pouvoir bouger parce qu'il n'a même pas eu d'intention de rester ici. Puisqu'il n'a pas eu d'intention de rester ici, alors il n'a pas acquis les 2000 amas autour de lui. Ça, c'était la Mishnah précédente. Et la Mishnah continue maintenant avec ce cas, ce même principe, mais avec Imeno Makir. Toutefois, s'il ne connaît pas un arbre précis ou un lieu précis à désigner, il n'est pas capable de définir un lieu précis en disant mon lieu de résidence, il est là-bas. Donc, on va dire je prends 4 amotes quelque part. Ou encore, Osheno Baki Balacha, bien que le pauvre ne connaissait pas cette halacha. D'accord? Eno Baki Balacha, être Baki Balacha, c'est connaître précisément l'halacha. Lui, il ne connaît pas précisément cette halacha qu'il a la possibilité de faire sa Shvita. Ve'amar, mais il dit à la place, Shvitati Bimkomi, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas atteint la ville. Je vais rester ici avec les chakals et les je sais pas quoi, en plein désert. Au moment avant, je vais rester ici pendant Shabbat. Non, c'est pas dangereux de rester. Si c'est dangereux, il aura de revenir. C'est pas spécialement dangereux, il est en pleine forêt, il va se débrouiller, il va poser son camp. Donc Shvitati Bimkomi dit, bon, je m'installe ici à cette place. Alors là, la Mishnah m'enseigne une halakha bien connue de tous. Zachalo Mekomo Alpaim Amal Ekol Ruach, bien évidemment, son lieu de résidence lui donne un droit d'avoir 2000 amas de tous les côtés. L'Ekol Ruach de tous les côtés. Il prend 2000 amas à droite, 2000 amas à gauche, 2000 amas en face, de partout. D'accord? Maintenant, petite question, je vous introduis la suite de la Mishnah, on va avoir une marloquette super intéressante. Pour les 4 amotes, d'abord, je vais vous rappeler une halakha qu'on a vu. On avait parlé avant des 4 amotes, maintenant on va parler de 2 amas. Pour les 4 amotes, on a vu, en fait, c'est pas 4 amas, c'est 4 amas, hein, mais c'est un carré de 4 amas. Et mieux que ça, il y avait même des amis qui disaient, tu prends 4 amas de tous les côtés. D'accord, tu fais un carré, tu vas faire 4 carrés, tu vas te retrouver avec un carré de 16 sur 16. Bien évidemment, vous avez bien compris que lorsqu'on fait un carré, on gagne les diagonales. Ouais. Évidence que mathématique. On a 6, toutefois vous prenez un carré de 10, vous pouvez le rajouter dans la diagonale, alors vous lui rajoutez racine de 2. Si vous vous rappelez de Pythagore, ça fait racine de a au carré plus a au carré, donc ça fait racine de 2a au carré, donc ça fait a racine de 2. Vous multipliez par racine de 2, en fait vous le connaissez dans la diagonale, dans la Gemara on utilise ça, on dit toujours 2 cinquièmes. Vous avez 10 de large, vous faites 2 cinquièmes, 2 cinquièmes de 2, ça va faire 4 pour 10, donc vous allez avoir 14 de diagonale. Maintenant, je reviens sur notre Mishnah, où on va découvrir maintenant quelque chose de nouveau. À part ton carré de 4 amotes, tu as 2000 amas. Comment tu calcules les 2000 amas? Tu prends un compas de 2000 amas et tu calcules 2000 amas de tous les côtés? Ou bien non? Non. Tu as les diagonales. Tu dois faire un carré de 4 amas sur, de 2000 amas sur 2000 amas. Mais comme ça, tu vas même gagner les diagonales. Tu vas pouvoir même marcher comme ça, 2800 amas. Excellent, non? Ça, c'est déduit des arrêts à Lévis, mais en réalité, comme ça, on va voir 2 minutes. D'abord, je fais ça dans les mots. Agulot. Maintenant, je t'ai dit, tu prends 2000 amas, mais comment tu les prends? À goulotte, en rond. Tu te plantes au milieu, tu fais un rond au milieu. Entre parenthèses, apparemment, d'après la première Benantinos, j'ai pas vu qu'on a soulevé le problème, mais il s'avère que t'as pas 4 amas plus 2000 amas. T'as juste 2000 amas depuis toi, quoi. Sinon, comment est-ce qu'on calcule à goulotte à partir d'un carré? Peut-être qu'éventuellement, à chaque coin, on va se mettre à arrondir, probablement. Ça va faire un carré arrondi. En tout cas, 2000 amas, uniquement, et pas de diagonale. Divré Rabbi Hanina ben Antignos. Telle est la vie de Rabbi Hanina ben Antignos. La Chachamim, en même temps, les Chachamim nous disent non, mais Merubaot. Tu fais un carré, et même mieux que ça, Ketavla Merubaat,
comme une table carrée. Vous allez me dire, bah, on a compris, un carré comme une table carrée, comme une tête au carré, quel est l'intérêt? On va expliquer tout de suite un grand chidouche que je ne savais pas, qui a écrit dans le Bartanoua, et je suis très content de l'avoir découvert. Ketabla merubat, kedesh et niska, les avions, comme ça, il va pouvoir mériter de prendre les coins, les diagonales. Il va pouvoir ajouter 2 cinquièmes, racine de 2, quoi. Pour l'histoire de Tavla Merubat, pourquoi est-ce que je veux préciser que tu me fais un carré comme une table carrée? Le Rambam vient me dire, tu sais, c'est important, on va en parler longuement dans le prochain Pérec même, les mesures que je t'ai demandé de mesurer, tu ne les fais pas avec des mesures de la NASA, avec des microscopes. Eh cool, quand tu fais une table, imagine tu prends une table, tu fais avec les moyens du bord, tu fais plus ou moins carré, même si ça ne sort pas exactement carré, c'est pas grave, selon le même principe, tu calcules 2000 amas, tu fais plus ou moins un carré, avec les diagonales, puis te stresse pas si tu as débordé un petit peu de 2 pas par-ci ou 2 pas par-là. D'accord? Tout ça maintenant, c'est à la donc en fait, je reprends maintenant, par rapport aux 2000 amas carrés. Le carré est de 2000 amas, depuis ta place, 2000 amas par-ci, depuis ta 2000 amas par-là, devant, et même les diagonales aussi, parce que tu fais en fait un carré autour de toi, donc tu vas pouvoir gagner, selon les diagonales, 2800 amas. On apprendra dans le prochain pari, qu'est-ce que j'ai le droit d'orienter le carré comme je veux, comme ça je gagne systématiquement 2800 amas. Ça, ce sera pas exact. Il faudra marcher selon les sens de nord, sud, est, ouest. Quoi. Tu fais un carré comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais revenir sur... Maintenant, on a une marloquette. Est-ce que je calcule en rond, 2000 amas à la ronde, ou en fait un carré de 2000 amas autour de toi? C'est déduit, en fait, ça, la source dans la Torah, c'est déduit des aréas lévim, les villes des lévim. La Torah a insisté que tu leur laisses 2000 amas autour. Il y a 1000 amas vides, 1000 amas où là-bas ils pourront ensuite avoir leur champ. Chaque ville des Lévim, elle doit avoir 2000 amas. La Torah a insisté que tu leur donnes même les coins, les aviotes. Puisque la Torah l'a donné, elle a insisté qu'il faut prendre des aviotes. On apprend pour Shabbat que le troum de Shabbat, il est déduit de là-bas. Selon tous les avis, on le déduit là-bas. Mais est-ce qu'on le déduit exactement comme là-bas ou pas exactement comme là-bas? C'est là la marloquette en Rabbi Ben Atignos ou pas. Il y a un petit mot en plus dans la Torah qui a dit, le Robert Henri apporte, Zeyé lachem migraché harim, tel sera pour vous le migraché harim, les migrachim, les terrains, comment dire, les esplanades devant vos villes. Les espaces devant vos villes, est-ce que c'est les Zé, donc à lui et pas à un autre? Donc quand tu apprends Shabbat, tu ne lui donnes pas les coins, ou au contraire, casé comme celui-là. Et dans ce cas-là, tu lui donneras aussi les coins. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.